soit normal. Mais... Saints Row The Third, troisième jeu de l'opus du même nom est certainement un de mes jeux préférés, si ce n'est mon préféré. Enfin je veux dire, Saints Row The Third c'est du fun, du burlesque, c'est de la bagarre, des putes, des armes, du burlesque, encore des putes, des activités loufoques, c'est le nanar, et des putes, bref, c'est tout ce qu'on aime, surtout pour fêter les 1 an de la chaîne. Eh oui, alors pour fêter ça on va... Oula... Alors doucement, on va garder ça pour plus tard. Et je vois déjà venir les... Eh bien non, fils de ta mère, cette rose de feu apprend chaque GTA un par un et les bifles sans sommation. Eh oui, rien que ça. Ne serait-ce pas l'heure d'être un putain de badass? Donc l'histoire raconte celle de... Non, je rigole, rien à foutre de l'histoire. Ici, on est là pour s'amuser, rentrer de l'école pour passer sa soirée à rafaler des passes en hasard. Tout ça parce que Monsieur Ducan nous a mis de mauvaises notes. Mais qui a dit que les jeux vidéo rendaient violents? Sérieusement, j'ai jamais été aussi détendu là. Le paix. Bref, dans ce jeu, le but ça sera d'écraser les petites merdes qui nous servent de gangs ennemis avec trois camps principaux. Les étoiles du matin avec Philippe le Belge. Je vous propose le conte de fées d'une frite ayant perdu sa moule. Il était une frite une fois. Les Deckers avec Matt le Nerd. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, les Riot Points. Tout ça là, moi j'aime bien, frère. Et les Luchadores avec la version améliorée de Rey Mysterio. Moi. Et pour se farcir tous les guignols du coin, quoi de mieux que d'infiltrer un avion par la fenêtre du cockpit pour ensuite mitrailler toutes ces villes racailles. Tout ça pour ressortir par le trou du cul de l'avion, pour enfin zigzaguer entre les débris pour attraper notre pote trop bonne entre 2-3 rafales. Dès lundi, somme toute normale en somme. J'ai envie de te niquer. C'est mort. Eh oui, Saints Row 3 se focalise logiquement sur le gang des Saints, car nous sommes nobles et purs et y a pas à dire. Ce jeu le prouve à chaque seconde que vous y jouerez. Enfin, je veux dire, regardez-moi ce beau gosse, sérieux. Quel flow, quel style, lunettes flambant neuf, rouge comme le sang de ses adversaires, manteau du démon démoniaque et coiffure de mâle Sigma Alpha Omega. Eh oui, rien que ça. En effet, ce jeu offre aux joueurs une possibilité incroyable de personnalisation qui pourrait laisser cours aux plus grandes créations de l'histoire. You can't see me. Ou alors, gros zizi. Tizizi, gros zizi, tizizi, gros zizi, tizizi, gros zizi, tizizi. Ah oui, j'oubliais, pour les vêtements aussi, il y a... Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et comme on peut le voir, ce jeu regorge de surprises et je vous assure qu'un gros balourd de 3 mètres et de 300 kg, c'est encore plus banal qu'un lancer d'humain suppléé d'un magnifique headshot. Eh oui, putain! Évidemment, l'objectif sera de reprendre le territoire qui nous appartenait et quoi de mieux que des rafales de milliards de balles et de roquettes pour faire régner la loi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que des échanges de balles et des magnifiques explosions! On va en avoir une ribambelle et sous différentes formes, s'il vous plaît. Explosion! 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 Que ce soit en hélicoptère, en tant qu'on va se faire un malin plaisir à terrasser, car c'est ça la morale de la vie. Exploser ou se faire exploser, dominer ou être dominé. Attends mais... Attends mais c'est une blague là. Mais qu'est-ce que c'est? Tu fermes ta gueule, je t'ai dit. Ah! Et c'est à ce moment-là qu'on comprend véritablement à quel point Saints Row 3 c'est autant déjanté que complètement insensé. Enfin, je veux dire, juste après ça, on tombe sur Zimo, c'est un Max Adomazo avec une trachéotomie qui va nous servir de cheval pendant une course-poursuite de carrosse de salope. Camoulox! Ah ouais, ouais, ouais! Eh bien, Jean-Guy, on peut voir qu'à défaut de ploter des femmes, ils ont pris la tête du peloton. Eh oui, et on remarque que les poursuivants se donnent à fond pour remonter la pente. Oh, regardez, le tireur s'est armé d'un sniper pour aller en profondeur. C'est véritablement un cinglé de première classe. Explosion! Oh, les tétés! Non, franchement, après avoir vu ça, on peut vraiment mourir tranquille. Et pour rester sur Zimos, on est quand même sur un phénomène assez compliqué. Bang, bang! Le bug a comme une fascination pour, comment le dire gentiment? Oh! Les péripatéticiennes? Oui, les putes quoi! Toutes ces putains de missions comportent le mot pute ou un mot du champ lexical de la puterie! Alors on a Macadam, trafic de putes, escorte, Mac 1, pute 0 et bateau des putes. Pute! J'ai dit pute! Excellent, n'est-ce pas? Autant dire que si vous êtes des partisans qui wokisme ou de la cancel culture, et bah vous vous êtes trompé de jeu, bande de cons. Ici c'est pute, vente d'armes et baston, une véritable damnation. En parlant de baston, il faut aussi évoquer les nombreuses façons de tabasser sans vergogne nos opposants. And his name is John C.
Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. C'est fabuleux, c'est si génial que je pourrais passer ma misérable vie de chômeur à faire des prises de catch à chaque passant que je croise. De toute manière, il nous voit pas. You can't see me. Faut aussi savoir que c'est pas la seule dinguerie possible lorsqu'on court. Non, sinon ce serait du cachim. Regardez-moi cette façon de grimper dans les véhicules. Hop là. Si ça, c'est pas la définition même du terme badass, alors franchement, qu'est-ce que ça serait? Exploser des brutes à coups de grenade ou alors à coups de roquette, fracasser des centaines de personnes en étant tout nu. Tout nu. Tout nu, tout nu. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Tout nu, tout nu, tout nu, tout nu, tout nu. Écrabouiller notre ennemi juré à l'aide d'une boule géante dans son propre bâtiment qu'on explosera quelques minutes après. Je pense que la définition d'un badass est aussi large que l'adoration quasimos pour les prostiputes. Non mais sérieux, vous en connaissez beaucoup des jeux où vous pouvez découper des Mexicains avec une tronçonneuse dans une arène de catch? Alors bande de salopes, les Mexicains là, on joue plus à Minecraft? C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que j'adore ce jeu putain! Incroyable! 5 francs, le troisième du nom! Une merveille du jeu vidéo. Eh oui, rien de ça. Si vous n'avez pas encore assez d'arguments pour comprendre que vous devez mettre pause à cette vidéo, la liker, la partager à tous vos potes et vos putes, commenter que je suis le meilleur youtubeur de cette contrée, acheter Saints Row The Third, l'installer, lancer le mode campagne, car comme moi vous n'avez pas d'amis pour le mode coop, pour ensuite tabasser des putains de PNJ à coups de prise de catch sous la musique de John Cena, et bah franchement... Attendez encore un peu, car c'est loin d'être fini. Eh oui, la folie de ce jeu n'a que pour limite notre foutue imagination, mais je sais ce qui fera pencher la balance une bonne fois pour toutes. L'arrêt ultime, plus forte qu'un coup de poing de Saitama, qu'un Genki-Dama de Goku, qu'un Rasengan de Naruto, que le paix du daron ou de la tatane de tonton. Le pénétrateur, mesdames et messieurs, l'arme de destruction massive qui arrive même à détruire la monétisation des vidéos. Ça tombe bien, on l'a toujours pas, mes aïeux. Cette arme qui met tout le monde d'accord, un coup, un mort, une frappe et tu t'endors, c'est bien lui, le pénétrateur. Allez, viens frotter, fils de pute. Oh putain, qu'est-ce que je sors? Je sors mon sgeek de ouf, pourquoi? Je le balaye. Le mec il tombe. Le sgeek dans le cul, je le bille. C'est quoi ce petit cul de gouer là-haut? Putain, je vais te la mettre dans le cul. C'est génial. Ce jeu est splendide. Nonobstant cette merveille de l'humanité qu'est le sgeek de ouf et les missions dantesques, il ne faut pas oublier les activités annexes qui nous seront présentées au début du jeu et qui seront tout autant spectaculaires et sensationnelles. Pour ne citer que les meilleurs, je pourrais parler du chaos tank qui consiste à tout détruire avec un tank, du trafic de pute qui consiste à... Bon, j'imagine que vous avez compris. Et enfin, mon activité préférée, la fraude à l'assurance. Non mais sérieux, faire semblant de se fracasser le crâne à tout va, tout ça pour toucher des royalties, ne serait pas là le summum du divertissement? L'est-il? Ah oui. Évidemment, on est d'accord pour dire qu'il ne faut pas reproduire ça à la maison, les enfants. Et oui, c'est fait par des professionnels. Regardez seulement l'adrénaline et la maîtrise parfaite de cette arnaque. Et puis franchement, je ne peux que contempler ces merveilles de cinématique qui nous offrent des passages d'action épiques et des pointes de comédie rarement atteintes dans l'histoire du jeu vidéo, qu'on ne reverra sûrement jamais vu ce qui se passe actuellement. Je pourrais dire que c'était mieux avant, et j'aurais raison, mais profitons simplement de ce poulet que nous avons devant nous. La patate du chétan, protège bien ton cul au lalardim sur le courant de la Bible. Quoi? Faire, lol, quoi faire? T'as compris? T'as compris ou pas? Écoute-moi bien, petite salope, je vais raccrocher, sinon je vais me sentir obligé de péter le cul de ta mère. Mesdames et messieurs, le voici, l'autoproclamé youtubeur alors que personne le connaît. Vous vous rendez compte, il a 2 abonnés, il croit pouvoir m'avoir avec des blagues sur le zizi. Mais tu sais ce qui va vraiment se passer? Je vais mettre ta vidéo interdite au moins de 18 ans, Baozao. C'est la guerre. Mais bien sûr, vous vous doutez bien que ce jeu en est encore dans les tripes. Ce que nous avons vu là, ce n'est seulement que la surface. Je n'ai pas évoqué les véhicules utilisables avec certains qui sont badass et d'autres qui sont... Blab. 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 Assez particulier. Blab. Il faut dire que l'on peut aussi personnaliser les véhicules à tout va pour les rendre les plus classes possibles afin de rendre jaloux tous les pauvres de la région et qui plus est, la conduite y est des plus agréables. Enfin, je veux dire, avec toutes les esquives qu'on peut faire, on se croirait presque dans Fast and Furious. Oh mon dieu. Putain. Dégage, connard. Culé.
Trou du cul, va conduire. Oh putain de merde, oh l'enculé. Contresens, ma chérie, tu as contresens. Ce jeu propose également une ribambelle de personnages incroyables comme Oleg, Kinsey, ma femme, Angel le zinzin et bien plus encore, ou alors évoquer les vraies missions secondaires avec le tournage d'un film plus vrai que nature avec un sauvetage d'aliens ou encore une invasion de zombies. Et oui. Je pourrais également mentionner la sénatrice, cette petite salope qui tente de court-circuiter nos plans avec l'hosta qui correspond à... Sustu. Adorable gourgandine. Ha ha ha, ce jeu a tellement à vous proposer, je vous invite donc à y jouer. Vous avez cru que c'était fini? Que nenni, car l'arc avec l'hosta est certainement l'un des meilleurs, car il prouve que quand on pense que ce jeu ne peut aller plus loin, eh bien il le fait. Oui, que ce soit l'explosion d'un avion géant... Mayday, Mayday, Johnson a pété, Johnson a pété. Ou alors, une séance de cosplay incroyablement incroyable. J'ai envie de te niquer. C'est mort. Ce jeu est tellement bon et a tellement de choses à proposer, je vous ordonne d'y jouer. Mais après, vous vous êtes abonné, bien sûr. Ha 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 ha. Ce jeu est tellement insensé que mes testicules gémissent. Eh oui. Enfin, bref, j'aurais pu évoquer des tonnes d'autres choses comme Oleg à Walp, Viola, ou les véhicules volants qui permettent de purement s'amuser dans la ville avec de la musique classique dans les oreilles. Attends, je pète ma bite, Nico. Je pète ma pied, danse, négro, danse, putain, danse, cachou, négro. Encore, négro, qui t'a dit d'arrêter, putain. Et on a aussi cette ville magnifique qu'est Steelport. Enfin, je veux dire, la nuit, c'est splendide, avec les buildings lumineux et cette ambiance qui s'en dégage, c'est ça, l'esprit de Noël. Ah merde, c'est pas la bonne vidéo, ça. Mais j'ose imaginer que tout cela vous a suffi pour vous donner l'envie de découvrir ce miel qu'est Saints Row The Third. Ou alors le redécouvrir de nouveau pour les vrais OG, dans le but final de montrer au monde entier que ce jeu est dans le panthéon de l'histoire des jeux vidéo, comme étant l'un des plus déjantés et fun de l'histoire, et si jamais quelqu'un refute ce fait véritablement vrai, eh bien... Merci à vous pour les 1 an. Ça fait plaisir. Je vous aime. Bon, la vérité, c'est que si quelqu'un crache sur ce jeu, eh bien... Pénétrateur dans le cul, mon pote ! Eh oui ! Rien que ça !